Allez, go, c'est parti! Bienvenue sur le jeu Last Donners. Allez, aujourd'hui, je vais aller débloquer les faubourgs. Donc, je vais aller surtout finir la tour de guet de l'Ouest. Vous allez voir. Là, je vais prendre juste donner un petit peu de bouffe à mes toutous qui ont bien faim. Voilà. Et là, j'ai pris normalement. Alors, j'espère ne pas me planter. Mais j'ai pris normalement tout ce qu'il faut pour finir la tour de guet, c'est-à-dire 20 fils de cuivre, des barres de fer, des antennes, des vis, des clés plates et de la gomme. Et là, on va prendre l'ATV, puisqu'on est obligé d'avoir ce fameux ATV, et on va se rendre à la tour de guet de l'Ouest. Alors j'ai pris des armes à feu parce que je pense que ça va être chaud. Ça va être chaud, il va y avoir un combat. Donc, on va voir ce qui s'y passe. Je vous avoue que je l'ai vu une fois chez un autre youtubeur. Je ne sais plus qui c'était. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir tous ces objets aussi rapidement. Parce que moi, je vous avoue que j'en ai chié. Entre la colonie, faire. Enfin, voilà, avoir le brochage à la colonie, etc., etc. Ça a été un enfer. Bref. Voilà, tour de guet de l'Ouest. Donc, il faut configurer toutes les tours. J'en ai configuré 2 sur 3. Et là, maintenant, on va finir la dernière et on va voir ce qui va se passer. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, là, ça va moins rire. C'est pour ça que j'ai pris mon toutou. J'ai pris une AK-47, une M16, un M16. Enfin, bref, je suis prêt, j'ai du soin. Je pense que ça va être chaud. Donc on se retrouve à la tour. Donc la tour elle est ici, hein. J'avais mis en place tout ce qu'il faut. Mais maintenant il faut que je configure le dernier petit truc. C'est là. Et là j'ai un peu... je vous avoue que ça va être compliqué. Enfin j'espère. J'espère pas. Allez, on va mettre tout ce qu'il faut là-dedans. C'est parti. On met tout. On met la gomme. Alors j'espère que j'ai bien tout pris. Oui, j'ai l'impression que ça se goupille pas mal. Allez, c'est terminé. L'amplificateur de signal est prêt. On y va. Oula. Oula, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Il y a du triton partout. On va prendre la AK-47. Là, ça rigole pas. Ah ouais, c'est chaud quand même. Là, c'est chaud quand même, hein. Là, je vous avoue que c'est très, 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 très chaud. Je sais pas si j'ai suffisamment pris d'armes. Suffisamment pris de soin, bref, là je suis pas bien. Je vous avoue que je suis pas bien, bien, bien. Il va beaucoup plus vite que moi, donc c'est pas bon. Je fais quasiment pas de dégâts, c'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Je pense que j'ai pas, soit j'ai pas les armes pour. Donc je fais un dégât à chaque fois, c'est une dinguerie. Comment vous voulez que je fasse? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, je m'attendais à un truc dur, mais là, je pensais pas. Je pense pas que je vais pouvoir le réussir, hein. Véritablement, ça m'étonnerait. Je pense que je vais le faire en deux coups, hein. Je pense que je vais le faire en deux coups parce que là, je vois pas. Si, je vois bien une possibilité. Attendez. Il y a peut-être ça. Voilà. Le ralentir. Oh là là. Ouais, mais là, c'est un sac à PV, quoi. Calme-toi. Bon, j'ai pas pris assez de soins. Bref, je vous le dis tout de suite, c'est mort.
c'est mort, c'est mort, c'est mort. Bon, bah, je crois que je vais me casser, hein. J'ai pas, de toute façon, j'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix. J'ai passé de. Je m'y attendais pas. Allez, on se casse. C'est un fail du joueur Ultimate Gaming. Bon, alors là, il va falloir que je réfléchisse parce que je lui fais très, 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 très peu mal. Je pense qu'il va falloir que je prenne une tenue adéquate. Il va falloir que il va falloir que je prenne une tenue adéquate. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me repréparer et je vous reprends derrière parce que de toute façon, j'ai pas assez d'armes, j'ai pas ce qu'il faut pour le tuer. Donc, je vais réfléchir à comment faire. Allez, à tout de suite. Bon, allez, c'est reparti. Alors, je suis de retour donc au marais, à la tour de guet de l'ouest. Donc, là, je me suis préparé. J'ai pris des bottes en caoutchouc qui, normalement, où je devrais couvrir plus vite. Dans la boue, enfin voilà, dans les marais. J'ai pris pas mal de mini-usines, des trucs qui font des dégâts, plus du soin. Alors j'espère que là, ça va suffire pour battre le gros. je sais pas du tout. J'espère que les bottes, ça, c'est exact, c'est ces bottes-là qu'il faut, j'en sais rien. Bref, on va voir ça tout de suite. Je sais pas du tout si en arrivant, je vais être aggro. Est-ce qu'il faut que je me retape tout? Bah, affronter les zombies, oui, ils sont où? Ah, ils sont là, les zombies? Ouais, bah, allez-y, les gars. Allez, viens là, toi. Ah non, mais ça va! Il a gardé. Oh, mais ça va! Ça va, regardez. Oh, bah, c'est bon, c'est cool. C'est cool. En fait, il a pas. Bon, déjà, je cours beaucoup plus vite. Donc c'est cool. Et au final, les points de vie que je lui avais enlevés, bah, il les a gardés. Enfin, sont restés enlevés. Donc voilà, donc ça c'est cool. Ouais, je cours quand même plus vite que lui cette fois-ci. C'est quand même beaucoup mieux. Bon, on va finir ce M16. S'il te plaît. Ça lagouille un petit peu, je trouve. Bon, bah, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, c'est cool. On dirait qu'il marche de travers, c'est assez bizarre. Alors je vous dis pas que ça va pas être long. J'aurais dû prendre la compétence courir, par contre. Plutôt que la compétence auto qui ne sert pas à, qui sert à rien. Mais bon, écoutez. Allez, je suis à la moitié. On est à la moitié. J'essaye de le distancer un peu pour lui faire un maximum. De dégâts. On court quand même beaucoup plus vite que lui sur la terre ferme. Bon, pour l'instant, il peut plus nous toucher, donc. Oula, je pense que le mini-usif fait devoir. Ouais, c'est des petits points. Ah bon, bah alors une fois que vous avez ces bottes, donc prenez les bottes en plastique, là, les bottes en caoutchouc, si vous en avez, je pense que ça doit pouvoir se trouver. On a tous une tenue qu'on a gagnée dans un event ou un truc comme ça, ou dans le pass. Et donc ça permet facilement de, voilà, de distancer le gros des marais. Bah, ça m'étonnerait qu'un seul mini-usi me permette. Je l'ai bien distancé. Voilà. 294. Je pense qu'il faudra quand même que j'utilise encore un chouïa de miss sur mon mini-usi, mais bon. Je sais même pas comment il peut miss. Enfin, faire des miss parce que il est tellement gros que bon bah logiquement. Bon, il y en a pas énormément quand même des miss, donc ça va. Bon, en plus, je sais très bien que quand il tape, il fait 20 points de dégâts, donc ça va, c'est pas non plus c'est pas insurmontable, on va dire. Eh, finalement, allez, là, j'ai plus rien, donc là, il faut que je le distance un peu.
que je prenne un mini Uzi. Hop. Voilà, il m'a mis une petite tatane. Bon, c'est pas. Bon, on va toucher une fois. Donc voilà, donc en fait c'est très très simple, mais il faut juste se préparer. Les tritons du départ font très très mal aussi, faites attention. Voilà, bon bah là, on y est presque, hein. On y est presque les amis. Alors je sais pas ce qu'il y a après. Oh putain, je sais ce qu'il y a après, je crois savoir ce qu'il y a après. Je crois que j'ai fait une boulette. Je crois que j'ai fait une boulette, attendez. Je vais voir, mais il me semble que j'aurais dû prendre mon drone de mémoire. Et je crois que j'ai oublié le drone. Allez, on va le tuer ici. Allez, viens ici, mon ami. Est-ce qu'on récupère un truc? Rien, que dalle. Voilà, c'est bien ce que je pensais, configurer les tours, c'est-à-dire que j'ai oublié, je crois que j'ai oublié mon drone, hein. Ouais, j'ai oublié mon drone, c'est-à-dire j'ai récupéré, bah oui, drone Rocky, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait, sauf le drone, bah vous savez ce quoi, allez, on va pas s'embêter, je vous fais une micro-ellipse et je reviens avec le drone, à tout de suite. Et voilà, comme par magie, j'ai le drone, allez c'est parti, j'ai été récupérer mon petit drone, et maintenant on va l'utiliser. Alors on se prépare quand même, on sait jamais, hein, je sais pas ce qu'il va y avoir. Ok, le drone est monté. Ah, il a dû monter tout en haut, on le voit plus. On va patienter. Allez, tâche accomplie, retourner à la colonie. Ok, bah écoutez. Alors il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est pourquoi il me dit d'aller par là. Ah oui, il me dit de sortir en fait, tout simplement quoi. Peu importe l'endroit. Il me dit feu, faut y aller quoi. Ok, eh ben on va aller à la colonie directement et on va voir ce qui se passe. Bon, bah écoutez, une bonne chose de faite. Franchement, on arrivait là, c'est un soulagement. Alors la boîte d'aide, ça, ben non, l'événement, on s'en fout, ça, on s'en fout. Là pour l'instant, là, moi je me moque de tout. Je veux aller à ma colonie. Allez, on va courir. On va courir et on va voir ce qui s'y passe. Alors, attendez. Bon, ben, je suis bien content de débloquer enfin ces dernières petites zones, ces dernières petites choses. Pour info, la mise à jour, alors, d'après ce que j'ai compris, elle devrait arriver normalement le 20 mai. Donc, si vous regardez encore cette vidéo à ce moment-là, ben, vous saurez qu'il nous reste que quelques jours pour avoir la toute nouvelle mise à jour. Enfin, maintenant, je suis sûr de rien, mais logiquement, le 20 mai, ça devrait arriver. Donc là, moi, je fais cette vidéo. Ouais, c'est ça, dans quelques jours. Ouais. Allez. Qu'est-ce qui va se passer dans cette colonie ? Bon, je suis désolé, hein, il y a toujours les temps de chargement. Bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Parlez à Chris, captez le signal dans la salle d'opération. Ouais. Parle à Chris, il est où Chris? Alors, salle d'opération. Ah bah Chris, c'est lui. Ok, alors on va lui parler. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai amélioré le module que j'ai un. La dernière fois, ça renforcerait la précision de vos tirs et au drone essai. Alors, nouveau module, module passif installé, désignation de la cible. Une fois le module sentinelle activé, le drone et son propriétaire auront moins de chances de rater leur cible. Ok, bon, bah le drone ratera moins sa cible, d'accord. Ça sera un peu plus précis. Ben, bah, écoute, je te remercie. Qu'est-ce que c'est... Ah oui, non, là c'est... Ok, là c'est pour les expéditions. Donc là, capter le signal dans la salle d'opération, c'est ici. Alors, vous avez entendu le shérif, mes amis sont sûrs. Quelle rue est-ce qu'on peut déterminer la source de cette... Alors, j'ai beaucoup de mal à lire, là, le orange sur le vert. C'est beaucoup, beaucoup de mal. Impossible à dire, il pourrait y avoir des survivants là-bas. On va essayer d'en savoir plus sur cet endroit. Trouver la provenance du signal. Ok. Bon, bah, écoutez, je pense que là, il nous dit de sortir. Il nous demande de sortir, on sait ce qu'on va faire.
Et là, on entend un petit bruit. Et là, bientôt, la banlieue. Qu'y a-t-il derrière ce pont en ruine? Pourquoi l'émission radio est-elle sans cesse interrompue par des signaux de détresse? Tant de questions et si peu de réponses, cet endroit intrigue et effraie tout à la fois. Allez, on va aller voir. Et c'est ici. C'est ici. Alors, on peut pas, pour l'instant, on peut pas s'y rendre. Mais ça donne envie. Effectivement, ça donne envie. On voit que. Alors, ouais, on peut zoomer. Est-ce qu'on peut zoomer? Ah, là, je suis au maximum. On voit donc qu'il y a des bâtiments. Il y a deux, trois bâtiments. Une voiture en travers. Ça donne envie d'être exploré. Ça fait quand même super plaisir de voir cette map un petit peu s'agrandir. Voilà. Bah, écoutez. J'espère que ça sera pour la prochaine mise à jour, mais a priori, j'y crois pas trop. On sait jamais. En attendant, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et je vous dis à très très vite pour la suite des aventures. Allez, bye bye.